à tous. Alors, on est ici pour l'essai du ProBoat GT en 4S. Suite à vos conseils, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste un splash. Voilà. Ah, il coupe. Je pense que les dipos sont foutus. Tu vois rien. Ouais. Il coupe. Les dipos sont foutus. Ouais. Ça demande trop. Mais par contre, c'est quand même super sympa. Ouais, mais c'est bon. Dommage. Donc là, j'ai eu un peu baissé la tuyère. Effectivement, quand on n'a pas de jet, et ben on n'a pas de jet. Faut vraiment toujours laisser un filet de gaz. Ouais, bon, on va pas continuer l'essai non plus. Ouais, toujours laisser un filet de gaz, effectivement. Donc, j'ai commandé les 4S. Plus costaud, là c'était les 4S qu'il y avait sur le FT011. Je pense qu'elles sont un chouïa rincé. Et là ça demande trop de. Tu vois, ça coupe. Il coupe, là c'est vraiment. C'est pas du 4S ça. Tu vois. Clairement on a rien. On gagne rien de plus. Par contre, c'est vrai qu'on a baissé légèrement la tuyère et je trouve qu'il a. Il va mieux. Par contre, quand ça coupe au milieu du lac, t'as un peu les boules. Oula. Bon, je vais attendre de recevoir les 4S. Alors je collerai pas, vous verrez. C'est quand même super sympa. C'est hyper vif. Wouh, 360. Hop, on va enchaîner sur le petit, du coup je l'avais emmené pour sauvetage, bon, moi je suis pas venu pour rien. Allez, à tout à l'heure. Ouais, donc c'est bien ça, hein. C'est la lipo qui est déjà très chaude pour 2 minutes de run. Très chaude, on va dire qu'elle est un bon 40 déjà, elle a bien pris. Donc on va pas insister, hein. On va mettre une lipo plus costaud, plus de capacité, plus de C pour pouvoir se prémunir de ça. Et puis on n'a pas d'eau, hein, donc c'est vraiment le ah si on a un petit peu d'eau quand même, mais c'est vraiment je pense le fait qu'il soit été retourné. Allez, on va essayer le petit là, à plus. Alors le petit Banggood, c'est mon préféré. Pourquoi il va pas si vite. Oh non, lui aussi. Qu'est-ce qu'ils ont tous là aujourd'hui? C'est un problème ou qu'est-ce qu'il y a? Il y a une limitation de gaz ou comment ça se passe? Oh là là. Bon bah super. C'est pas le jour. Voilà. Hein, clairement c'est pas le jour. Mais ça va vite. Vraiment ça va beaucoup plus vite que ça. Ouais. Allez, bah écoute, on va revenir. Hein. Voilà, merci d'être venu, surtout hein. Voilà. Vous m'excuserez pour la qualité de ces essais. Mais c'est la vie, messieurs. On ne fait pas tout d'un coup. On ne vérifie pas que tout soit chargé d'un coup. Bien sûr. Bête comme je suis. Voilà. C'est bon. voilà, c'est rigolo. Mais on va arrêter de tirer dessus parce que je ne vois pas d'eau qui sort. Donc on continue dans les fails, voilà. Hein, quand on. Voilà. Donc ça par contre c'est bizarre qu'il n'y ait pas d'eau qui passe. Ah pourtant il y a de l'eau. Hein. Ouais, je pense que j'ai pris une lipo qui n'était pas chargée. C'est bien ça aussi. Et ça n'allait pas assez vite pour qu'il y ait de l'eau qui passe. Donc en fait on va tout surchauffer. Voilà, bon, donc on va pas s'énerver. Allez,
On va oublier cette session et on se revoit la prochaine. Mais bon, ici on ne cache rien, on montre tout. Des lipos pas assez performantes ou pas chargées, ça ne fonctionne pas dans les bateaux. Hein. Je vous le dis. Allez, à plus.